Donc on est contre un 2Q FFG. On a blanc, 7,5 de commis, 1 heure chacun et 3 fois 30 secondes en biomi. Les règles AGA, donc équivalent en française. Et pas un chimari comme ça, ok. Eh bien, je vais prendre son coin. On va prendre son coin. Vous avez la musique, tout ça, ouais, c'est bien. Là, c'est posté, cool. Là, c'est posté, c'est cool. Là, c'est posté, c'est cool. Tac, super. Parfait. Pouf. Voilà. Il pousse de ce côté, d'accord, très bien. Va venir comme ça. Je vais venir ici, je vais venir là. Et le live commence pour les personnes. Ok, cool. Il vient ici, je viens là. Et maintenant quoi? Il approche par ici. Ou il prend le Sansan, ou il approche là. Ouais, approcher par là, c'est pas mal pour avoir sa boîte comme ça. Ok, il vient comme ça. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Alors, en vrai j'aime bien ça, tout simplement. Mais j'hésite aussi à prendre le coin tout simplement, tac. On peut penser également, mais... Non, ça a l'air bien. Moi je joue simple. Il vient prendre le Sanson, ok. Si on pousse comme ça, il vient là, je viens là, il vient ici, ça menace un jour de faire ça et se développer facilement de ce côté quand même. Il vient là, tac, tac. Il saute. Tiens, par là, au moins il sera plat ici. On va empêcher qu'il se développe trop de ce côté. Et une extension ici sera un peu plus justifiée car ça retirera son extension de Chimari. Je me dis. Il fait la même que moi. Ok, pour changer de direction. Ok, est-ce que ça donne envie de venir là? Il a quand même une extension, hein, mais lui, quand il viendra ici, ça joue rapide quand même. Est-ce qu'on n'a pas envie d'approcher ici tout de suite? Ça va ou ça va? Si on vient ici, il vient là. On vient ici. Il protège pas, hein, sinon c'est un peu bizarre. Donc Atari, tac, et on retourne sur les possibilités de séquence tout à l'heure, sauf que ça inverse les couleurs. Cette fois, c'est moi qui approche. Enfin, ça inverse pas les couleurs parce que j'étais noir, donc ça inverse les joueurs, tout simplement. Tac. Et si il descend comme ça? Bah, c'est un peu écrasé quand même. Je saute en fait.
Est-ce qu'on a envie de penser ici? Ouais, mais il a quand même ses extensions qui sont intéressantes. Je sais pas. En vrai, je pense que j'ai envie d'approcher tout de suite. Je pense quand même. Je préfère éviter qu'il se développera trop rapidement sur ce quart de Goblin. Donc on vient là. Tout à fait centré, ça. Hop, à peu près par là. Ça, un peu plus à droite. Donc ça aussi. Un peu mieux comme ça. C'est pas très beau. Mais... Hop là. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ici souvent on répond R6 quand même. Et on va finir sur les séquences tout à l'heure. Je viens en R7, il fait Atari, tac, et ensuite il a les trois choix. Tout à l'heure j'avais choisi l'Atari. Lui, ici c'est un peu différent. C'est lui et ce côté, alors que tout à l'heure c'était l'inverse. Je pense que. Ah bah non, si, si, c'est pareil. Mais moins solide, c'est. Il y avait un mur plus proche, je crois. Bref, il aura du choix. J'ai envie de le contenir ici en fait. De toute façon, il a deux pierres, donc il a, s'il a les points ici, c'est normal. J'ai envie de le contenir en fait. Parce que une extension par là, ou une extension par là, voire à un moment les deux, si jamais je tenoki, ça pouvait être chiant. Donc j'ai envie de réduire cette force, ce potentiel. Ça se joue vraiment ça? Je dois aller là, non? Si je vais là, il a une trop belle forme. Donc je vais là. S'il fait Atari, faut que je pousse d'abord. Il vient là. Je vais là. S'il capture, je fais Atari, il capture, je capture, donc je suis content, donc il fait d'abord Atari comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, je dois aller là. Ce serait trop bizarre de reculer et qu'il prenne la belle forme. Et il fait Atari de ce côté, ok, je pensais que c'était... Ah non, peut-être. Mais dans ce cas-là, je force, d'abord. Ah, je sais pas. Il y a quand même un mur en face. Hein. Mais si je prends là et maintenant il recule ici... Ça semble bizarre pour blanc. Faut que j'avance. Room Pilous. Blanc. Noir. Blanc. Noir capture, blanc vient là. Noir fait contre-Atari, blanc capture. C'est quand même gros hein, cette capture parce qu'il y a un mur en face, je sais pas. Je sais que c'est je sais qui localement, mais là avec le mur en face, je sais pas si c'est bien dirigé. Je sais pas si je dois forcer ou aller là d'abord d'ailleurs. Je crois que je dois forcer. Menacer le déchire Toby. S'il capture, je peux venir là, c'est quand même un gros coin. Donc là il me bloque. On descend. Et s'il vient là, d'ailleurs, si je choisis plutôt ça, on fait l'Atari tac et on protège ici. Je crois que c'est ça. Tac, il fait Atari. On capture et il fait Atari ici. Ouh, c'est très 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 gros de laisser ça quand même, non? Bon, d'abord, je dois aller là une fois quand même.
Mais... C'est con quand même, hein, ce qu'il a là, mais... Je crois que je dois d'abord aller une fois, parce que ça descend TSMT. Il continue. Et je joue là. Ça semble immense quand même. Parce que s'il fait l'Atari, ça empêche tout à fait le développement. Ça menace l'Atari développé. Donc ça, il répond. Mais c'est énorme, quoi. Je pense qu'il faut le jouer tout de suite. Si je dis pas de bêtises. Dans une vidéo de Mathieu Delizotti, il parle de ça et il dit que c'est quand même très très beau, quoi. Bon, c'est beau, hein? C'est beau ça quand même. Comment on gère ça? On va voir, surtout qu'il a le synthé. On va voir. Selon comment il le joue. Oh, en fait, il doit hésiter à est-ce que je rajoute une pierre par là ou est-ce que je vais dans le coin, truc genre, ou est-ce que je joue à fond sur ça et je comprends rien. En vrai, là, moi, je pense que je joue à N3 à la place de noir. Ah mince, j'ai cliqué sur le lien, du coup, oui, bah oui, ça m'a ouvert le truc. Forcément. Enfin, vous voyez pas ce dont je parle, mais CGB Spender, Onimbo. Sur le chat souvent fait des annonces sur KGS pour le tournoi et du coup ça apparaît dans la partie et en cliquant dessus peu importe sur le message ça met sur le site de du tournoi. Ok, il veut investir sur tout ça. Il y a un beau paquet de points ici, hein. On est sur du 4 fois 7, 8, 9, il y a 36 points plus potentiellement, ben, voilà, il y a quand même pas mal de potentiel ici. Plus ce qu'il a là, une dizaine de points. Nous on a l'équivalent ici, et on a ça, qui est moins que ça, et on a le commis. Et on a aussi potentiellement ici une attaque. En fait, je pense que ce serait une erreur de ma part de venir dans ça. Je pense que là, moi, la direction. Pourquoi pas prendre le S16, hein, mais c'est vraiment renforcé. Après, son S17 sera gros. Mais... Bon, bref, c'est peut-être pas le coup tout de suite, je sais pas. Je vois deux choses. C'est la pince par ici. Voir kick, ouais, à voir. Peut-être la pince plutôt. Et je vois cet Atari. Cet Atari, faut imaginer si c'est noir qu'il joue, on voit son potentiel qui s'étend du coup jusqu'ici comme ça. Alors que si je le joue moi-même, déjà ça l'empêche de faire ça. S'il répond, c'est un angle vide. Un petit peu Nokimo vers le centre. Et surtout, s'il répond, on peut se développer par ici et faire pas mal sur le sud. Donc il y a des chances qu'il y réponde pas, mais en tout cas, ça aura le mérite d'avoir empêché pas mal de potentiel. Mais je sais pas si c'est assez gros. Et j'ai envie de le jouer. Ça a l'air d'être la direction vers mes pierres. S'il va par là, ces pierres vont perdre de leur force. Donc j'ai bien envie d'aller par là. Ça fait un peu bizarre, hein, mes deux derniers coups, du coup. Mais j'ai l'impression que c'est gros. Verra. On verra, on verra. Hop. Et il fait ça. Ok, bah là il va dire la descente ici pour dire non, non, ensuite tu feras pas grand-chose. Ok. Ok, j'entends. Et maintenant. Ah, presque grosse ma descente ici. Ça menace quand même de faire un truc très intéressant. Mais c'est bien goté. Il monte ici et finalement. Je sais pas. Je préfère peut-être venir pincer. Qu'est-ce qu'il fait après ça? Et aussi par là où c'est intéressant peut-être.
Si je viens ici, qu'est-ce qu'il fait? Il sort comme ça? Dans ce cas-là, je viens ici. Ok. S'il saute comme ça, on fait ça. Tac. On va là, il descend. Et nous, on s'étend par là. Enfin, par ici. Il ferait juste un groupe instable si ça se passe comme ça, je sais pas. Ça donne quand même envie de penser. Dire, oh, regarde, je peux avoir potentiellement trois coins. Cette descente, elle est grosse quand même. Ouais, après ce coup-là. Peut-être que je vais paf. Et ensuite, ouais, peut-être un coup là. Et ensuite, cette descente. Peut-être que ça se jouait, ouais, en fait. Et il venait par là, mais dans ce cas-là, l'attaque, on jouait vers le, il y avait une course vers le centre, et je pouvais réduire, je sais pas. Différentes stratégies, j'imagine. Ouais. Ouais. On va voir ce qu'il va faire. Il fait ça. Ce qui donne vachement envie de venir là, tout de suite. Prendre le troisième coin. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant de prendre trois coins quand même. Et il saute. Ok. Ok, ok. Du coup, si je prolonge là, il prétend à attaquer fortement la pierre. En même temps, je peux pas la connecter tout de suite. Mais ça, ça a l'air gros quand même. Je pense. Parce que maintenant... parce que lui, s'il descendait, ça menaçait de capturer cette pierre. Bon, cela dit, maintenant, il peut plus trop le faire non plus. Cela dit, non, c'est juste renforcé, en fait. Si je saute... qui descend, j'ai envie de monter. Alors que là, tac, tac, je peux faire ça. Tac, je force un angle vide. Et on s'en va. Avec un truc comme ça. Peut-être, ouais, tout simplement. On lui force son angle vide. Peut-être qu'il fait ça, d'ailleurs. Non, il joue ailleurs. D'accord. Alors ça, je sais pas trop quoi en penser. Il va y avoir que des parties de Moyo, ça va être chiant. Ça donne envie de... Voilà, ça marche pas, hein. Tac, 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 Yachicho. On peut jouer une pierre par là. C'est un briseur de chichot et en même temps c'est un coup de réduction sur son boyau. De toute façon je pense qu'il est beaucoup trop tard pour aller à l'intérieur. Je suis sûr l'IA elle sera en mode c'est tranquille, tu joues là et c'est peinard. Ici, 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 là.
Tac. C'est bon. On vient ici. Tac, tac, tac. Le chichot ne marche pas. Sinon, on vient comme une brute. Hein. Tac. Et par ici, on coupe. Il peut faire ça. Tac. Il sépare et en fait ben c'est un combat quoi, mais un combat où je dois m'occuper de cette pierre après et de cette position ici quand il coupe. Tac, et lui il saute, on s'en va, mais quand il s'en va il attaque ça et en même temps mes pierres là. C'est pas évident. En même temps il faut bien que je réagisse là. C'est pour ça qu'une pierre par là, ça peut être intéressant d'abord. Ça sera un appui pour les pierres ici. Donc ça me laisse soit le chichot, soit la coupe directe, et dans les deux cas, ça peut aider. Quoi. Ça me dit quelque chose ce pseudo, le poireau. Après, qu'est-ce qui se passe s'il protège par là? Est-ce qu'on peut vraiment réduire? Tac. Et là, on coupe comme une brute. Je sais pas. Je vais fermer ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des résultats? Ouf. Send the shell, non, quand même. Ah si. Ok, j'ai déjà eu un résultat. Tap 10. Okay. Il joue comme ça. Ok, c'est à peu près ce qu'on attendait. Merci pour le follow, Cash Barigno. Bienvenue à toi. Welcome. Ouais, c'est parti pour du combat. Hein. C'est parti. Bon, il va séparer ici. Autant compliquer la situation, j'imagine. Tac, tac, tac. Et je m'en vais peut-être comme ça. Si j'arrive à recouvrir ici, cette descente deviendra vraiment forte. Après, il rajoute un coup par là, mais on peut faire ça. Il y a du potentiel hein, ici. Ah, j'ai recliqué sur lui. On a trouvé une petite cible.
Même un Kema vers J16, un jour ça peut être chiant. Bon. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut sortir comme ça? Le truc, c'est que s'il sort un jour ou l'autre, ça va vraiment devenir chiant pour nous. Tant qu'on peut faire ça. Quand il monte, voilà, il faut pas qu'il ait deux fois le Toby comme ça, quoi. Tac, tac, je peux aller là. Je peux aller par ici. On peut connecter. Mais non, il doit aller là d'abord, du coup on peut aller là. Et nous on va ici. S'il est déjà là, non, on peut pas. On irait ici. Tac, tac. Coupe. Évident. Si on vient là tout de suite, ça semble bizarre aussi. On peut venir comme ça aussi, attaquer sévèrement la forme. Mais bon, d'abord, on doit peut-être rajouter des coups par ici. Tac, il vient là. Et on fait Kema. S'il force, tac, tac, et qu'il coupe. Est-ce qu'il y a Guetta? J'ai une pierre là, j'ai une pierre là. Tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Il force, tac, il coupe. On est là et là. Il est coupé, on vient ici. S'il monte, on vient là. S'il vient ici. On vient là. Est-ce qu'il atterrit sur les pierres? Sur les deux pierres ici. Blanc. Ah. Déjà, de toute façon, on va prendre de la place. On va s'étendre un peu. Maintenant, ça. Tac, tac, tac. On est comme ça. On a une liberté là, une liberté là. Ah, il coupe comme une brute. Est-ce qu'il y a Guetta? Tac. Il vient ici. On monte. Et là, tac. Mais là, il a des atterris. Donc, non, il n'y a pas Guetta. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de chichot, bien sûr. Tac. Il vient là. Atterri. Atari, tac, et on tourne. Ça peut être un plan aussi. On vient comme ça, et s'il force quand même une brute, tac, on vient là, il vient ici, on vient là, il vient ici, on vient là, il vient ici, et on tourne sévèrement. S'il vient là, on peut Atari. Et s'il essaye ça, on peut faire l'atterri comme ça. S'il résiste, on peut venir là. Et l'autre chose qu'il pourrait faire, c'est si je viens là, il vient ici. Ouais, peut-être que ce coup-là est mieux pour moi du coup. Ou alors on vient directement ici, comme une brute. C'est compliqué, il a encore ce coup-là. Ça ou ça? Si je viens là et qu'il vient ici? On vient là? Tac. Noir. J'imagine qu'on continue une fois ici en fait. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Ça me donne envie ce coup, hein, mais compliqué. Mais bon, la forme. Le point vital des trois pierres, c'est ici, clairement. Donc quand je vais là, ça, il joue ici. Si je résiste, il recule. Ma forme est un peu bizarre. Il prend de la force ici.
Je suis connecté, c'est bon, hein, mais bon. Je dois partir comme ça. Il est ici, je vais là, tac, tac, et je recule comme ça. Il faudra vraiment que je pense à la survie de ces trois pierres. Parce que quand ils montent, je peux sauter. Je peux. Attention à ces pierres-là, mais je peux. Ouais, c'est tentant quand même. Tac. Et aussi, si on fait ça, et qu'il coupe et qu'on fait la situation, quand on tourne ici, voilà, il faut penser aussi qu'il a maintenant des pierres ici comme ça. Quand il couvre, il faut jouer léger et partir léger. Ça, c'est possible aussi, peut-être. Bon, c'est tentant. Mais c'est discutable. Ouais, c'est pas facile. Et ok, il y va quand même. Il n'y a pas beaucoup, à moins qu'il avait anticipé ce que j'allais jouer. Il n'y a pas beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on peut aller à d'autres. Donc si je vais là, on a noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Il en a taré, hein. Et on tourne. Tac, tac. On peut pas vraiment faire ça, sinon Atari, tac, Atari, tac, il connecte et on a l'air con. Et ce que je regarde ici, c'est est-ce qu'on n'a pas des coups comme ça? Tac. S'il vient là, on bloque, mais s'il force, si on bloque, il coupe. Oh, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça. Si je fais ça, ah si, à l'arrière, si je fais ça, il vient à l'intérieur, hein, c'est certain, il a pas envie que je fasse ça. Si je fais ça et qu'il vient là, je fais ça. S'il continue, on vient là. Quand il vient là, on va ici. On peut encore rentrer, mais en même temps, avec ses formes, on attaque durement ces pierres-là. Donc ça a l'air intéressant aussi. Parce que là, si je bloque, peut-être que maintenant il peut venir directement ici aussi. Au lieu de couper comme une brute. Et ça, c'est embêtant. Donc on va venir là. On s'adapte. On joue léger et on s'adapte. Alors, il y a eu d'autres résultats. Non, il y a un résultat pour l'instant. Il était quelle table? J'ai un autre du club de Brest là. Monarque sur le KGS là. Un autre de Brest qui joue. Il a perdu sa première. J'ai pas regardé la partie là. J'avais commencé à la regarder tout à l'heure, mais là je me dis, bon, je vais pas la regarder pendant le truc. C'est un peu bizarre. Il vaut mieux que je sois focus sur la mienne quand même. Et la première partie, il jouait contre un. Donc lui, il est 4QFFG, mais il n'a pas joué depuis très longtemps. Et là, il vient de reprendre il y a. C'est une histoire de 2-3 mois, grand max. Et il avait pas joué depuis hier. C'est chaud. Et il jouait contre un 3Q. Donc il a gardé son niveau. Non, ça c'était moi. Il jouait contre un 4Q. Donc il a perdu. Et là, il joue contre un. Où est-ce qu'il est? Ici. Contre un 4Q encore, ok. On verra si 4Q c'est un petit peu trop dur pour la reprise, c'est surtout ça, hein, mais. Parce que la semaine prochaine il y a le tournoi de Brest et il y va, donc il disait que ça lui faisait office d'entraînement, mais ouais, c'est très bien. Ok, il revient là. Heureux, lugubre. Alors, maintenant. Tentant d'aller là. Mais il faut regarder qu'est-ce qui se passe avec cette pierre. Il vient là, je vais là, tac tac. En fait, j'ai aussi, même s'il vient là, j'ai même d'autres petites séquences, hein, c'est d'aller là.
Parce que si... Ah bah non, il peut connecter en CNT. Non, non, j'ai rien dit. Tac, tac. Je pensais à noir, blanc, noir, blanc. S'il coupe, on a coupe. Mais non, ça marche pas parce qu'il y a d'abord cet Atari, voilà, fin du sang. Donc noir, blanc, noir. Blanc. Il peut pas couper comme il veut. Et s'il monte ici, on peut encore s'en aller. Donc, ça donne envie de venir par là. Peut-être rajouter tout de suite ce coup. Qui a l'air quand même fort. Ou alors ça ici. Tac, il vient là, je viens là. S'il vient ici, on peut peut-être couper. Parce que si... s'il part tout simplement, on peut aller là, mais il vient ici, on fait Atari, tac. Ouais, on peut quand même se faire capturer, on est un cran trop loin. Donc il faudrait faire ça, mais non, on n'arrive pas à être connecté. Donc tac, 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 il vient ici. Il vient ici, pardon. Ouais, il nous manque un coup. C'est vraiment, si je joue là, qui vient ici, je vais là, tac, tac. Et on vient ici. Mais il a le temps de monter. C'est dommage qu'il ait ce timing, hein, parce qu'on aimerait bien avoir ce coup. Tac. Il vient là. Et ensuite, on fait ça. Donc il y a eu cet échange. Est-ce qu'il est favorable? Si tu viens là, tac, tac. Et on vient par ici. Si maintenant il monte, on peut toujours aller là. Mais il nous quémade déchiré. Après, c'est un peu contrôlé parce que quand on revient ici, il faut absolument qu'il revienne là, sinon il se fait capturer en gros. Mais ces pierres-là sont abîmées. Donc il vaut peut-être mieux aller tout de suite là. Il vient ici, on vient là, tac tac, on vient là. S'il force, on joue ici. Il n'y a pas de kéma déchiré, mais c'est le même principe sur les bases où on peut jouer là. Donc il sépare. C'est affreux pour ces pierres-là. Et nous, on peut sauter ça. Peut-être que je dois jouer ça plutôt. S'il y vient lui-même, on peut aller là. Ouais, si je viens là tout de suite, tac, s'il vient là. Salut Duolicta, salut Crow, merci. Peut-être ça d'abord, ouais, il faut pas trop que j'abîme de ce côté. Tac, s'il vient là, ou si, il vient là, ouais, on s'abîme de forme. Pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a forcément quelque chose à tirer, blanc, 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 il manque quelque chose ici, il manque un coup. Si on avait 7 pierres en plus, ce serait tellement facile. Au jeu là, pas facile, pas non plus. Blanc. Non. Sinon, reviens là. Blanc, noir, blanc. Ah. Ouais, c'est compliqué. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est que si on joue un coup par là ou par là. Si on joue un coup par là, on risque de condamner cette pierre. Donc, je préfère rajouter un coup tout de suite ici. D'ailleurs, peut-être ça, c'est un peu long. Peut-être un coup comme ça, c'est peut-être un peu plus rapide. Parce que ça recouvrira quand j'aurai mon coup comme ça et comme ça. Ouais. Ça, ça a l'air mieux. Et s'il se dirige par là, en fait, c'est aussi une possibilité. Ben, il faudra revenir par ici.
Mais je pense qu'il faut que j'ajoute un coup avec ça, c'est le plus urgent, donc on va venir par là. Allez, hop, le choix est fait, c'est fait, hop. Adieu, Kupura. C'est pas facile de choisir là, la direction, je trouve. Mais j'imagine avec mon groupe le plus instable. Je maintiens que sur ce bord sud, il y a des choses à construire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse séquence sacrifice l'indiquer, vas-y, prends cette pierre, vraiment qui s'y force. Ouais, non, il veut pas y céder. Ouais, mais tout simplement. En fait, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à développer ici? Mais il y a beaucoup de quoi rajouter de toute manière. Est-ce que maintenant je peux venir là? Tac, tac, tac. Et ici, je coupe. Faudrait que j'ai ça d'abord. Tac. S'il protège, tac, 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 tac. Atari, tac. Ah, c'est chaud. Tac. S'il vient là. On peut venir par ici, s'il joue à ça. On peut venir par ici, s'il connaît cela, on coupe ici. Et s'il connecte là, bah, on connecte nos pierres. Donc il aura envie de couper, on coupe. Il vient ici, on fait ça, il vient là, on revient ici. Ah, ça a l'air intéressant ce coup-là. Ce coup-là a l'air bien. Couper sa forme. Ça menace de faire un petit C8 plus tard aussi. Ah mais je me demandais comment tu pouvais parler Louis, mais en fait, Dieu avec ça, c'est admin. Le seul qui peut parler au milieu, tranquille. Qui puisse parler. Intéressant ce coup-là parce que ça veut dire vraiment qu'il est. Qui. Je sais pas. Très en mode attaque plus que défense, je pense. Je sais pas. Ouais, je sais pas. En même temps, il fuit, ouais. Parce que là, il met ça sous pression, et en même temps, il fuit. Non, ça a l'air d'être le coup normal, ouais. J'ai rien dit. Oh mince, bon, misclic. C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai la souris en main et j'ai cliqué. Heureusement, il y a pire qu'un endroit, mais c'est pas forcément ce que je voulais jouer tout de suite. Oh là là. Je suis con. Bon bah on va faire la séquence. Hein. Je crois que je dois faire ça. Ouais, je sais pas. Pas forcément ce que je voulais faire, parce que quand il fait Atari, c'est chiant. Ouais, parce que là, maintenant, il y a cet Atari qui est quand même chiant. S'il vient là, je viens là. Ouais, il peut connecter toutes ses pierres. Donc, en fait, il faudrait que je rajoute maintenant un coup par ici. S'il connecte. Maintenant, je peux peut-être laisser tac. Je viens là. S'il capture. On connecte. Ouais. Tac, tac. Tac.
Capture. Connecte en angle vide, c'est un peu dégueu. Tac, tac. En tout cas, on sait que s'il fait Atari un jour, on pourra juste connecter comme ça. S'il capture, on reviendra par là, j'imagine. Ouais, je suis pas fan de ce que j'ai fait, du coup. Zut. Alors ça, vous le saurez que dans 5 minutes. Est-ce que ça va avec ça? Parce que le prochain coup, j'ai envie de rajouter un coup par là. Ou alors on peut jouer par là. Guider ça vers ici. Prétendre qu'on va capturer ça en gros, mais c'est quand même très gourmand. Très optimiste. Parce que bon, il peut faire des yeux rapidement. Hein. Ici, il fait ça, tac, tac. Ensuite, il joue par là, il a déjà un œil. Ça fera bien un deuxième ici. Pas mal de points, non. Bah, y a ça qui est tentant, hein, mais il va là et il faut assumer quoi. Est-ce que je vis? Donc, je viens par là ou par là. Et ici, voilà. Non, il vient ici parce que ça, on peut jouer brutal et couper. Je sais pas. Plutôt ça. Hein. Est-ce qu'on peut jouer ça tout de suite? Tac, tac, tac. Tac, tac, mais il doit connecter. Ou alors elle est là, mais non, je connecte aussi et il doit connecter. Ça peut être intéressant, tac. S'il se laisse faire, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres variations où il se laisse moins faire? Il va là, je vais là. Il vient ici, je vais là. Il capture, je vais là. Mais je suis reconnecté. Ah, ça a l'air sympa d'embêter en fait jusqu'au bout et dire bon, allez, on va courir ensemble, on n'a pas d'œil. Souffrons ensemble. Et dans ce cas, cette direction a l'air plus pertinente. T'as le privilège. Le seul qui puisse parler avec moi. J'avais oublié que t'étais modo. Ouais. C'est vrai que j'ai pas de modo. Après, est-ce que ça sert vraiment, je sais pas, à mon nombre de personnes? Bref, il faut que je me concentre, les gars. Il doit regarder en fait, ah, c'est pas possible, je dois pas juste subir, est-ce que j'ai pas un petit coup qui permette de faire chier en même temps, genre un coup comme ça. En même temps, un coup comme ça, moi je traverse. Et s'il continue, je continue. S'il prend, bah, prends les trois pierres, prends ça, mais moi maintenant je joue un coup par là, et je dis, bah, regarde mon boyau. Donc faut être prêt à sacrifier, je pense.
Gros s'amuse. En tout cas, j'espère que vous appréciez la partie. Celle de ce matin était bien, hein, là, celle-ci est bien pour l'instant aussi, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Elles sont intéressantes, il n'y a pas de throw d'un côté ou de l'autre, donc c'est cool. Bah, je dis ça aussi bien. C'est bien, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Et ça ressemble à des parties, on va dire. Plus que quand on joue en 5 minutes chacun. C'est pas dur. Au moins, il me rattrape un petit peu dans le temps. 10 minutes encore de différence. Passer vite fait aux toilettes. En pire, ça. Costa, il a pas joué, cool. Ah, il a pas joué, ok. Tant mieux pour moi. Pas perdu de temps. Hop là. Excusez-moi. Ça va vraiment dépendre de sa réponse, la suite, mais j'imagine, tac. On vient là, tac, tac, il doit protéger. Et on le fait courir par là. Hein. Une fois qu'il saute. On peut le faire sauter. Parce que ça va être Miyai entre passer au-dessous de moi ou connecter ici, j'imagine. Ouais. On va voir ça. Le mieux serait ici, noir. Blanc.
Non, il y a un tout seul. En fait, c'est seulement que quand je fais ça et que je fais ça ensuite, si noir connecte pas tout de suite, mais tente des trucs un peu à me couper, genre s'il fait ça, je me demande s'il y a un coup par ici. Tac, tac. Bah non, il récupère la pierre. Non, mais en même temps, on se connecterait. Je sais pas. On va voir. Faudra voir, faudra voir. Je vais peut-être tromper cette deuxième ronde ici. Hop. Super. Je sais pas trop à quoi il réfléchit là. Il a hésité peut-être à faire un sacrifice? Il y a d'autres résultats qui tombent, ouais. Je vais. C'est quelle table? Ah non, mais pas besoin de regarder quelle table. Je vais regarder vite fait comment s'en sort mon collègue de Brest. Donc Stone Shell. Elle est où sa partie? Ici. Ah, il y en a plein qui ont mis en comptabilisé, il fallait mettre en comptabilisé? Non, c'est bizarre. Tac. Mais ça vite fait. Alors, comment il s'en sort? Rien de spécial. Ok, ça kick ici. Il est blanc. Ok. Tac, tac, tac. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est compliqué pour blanc. Ça a l'air compliqué pour blanc. C'est un peu chaotique. Mais ça a l'air compliqué pour blanc, je trouve. Oui, ici, c'est important. Ouf. Ouais, c'est compliqué. Bref, notre partie. Il connecte, ok. Bah, je viens par ici, non? Tac. Connect. Si un jour il force tac, tac. Je sais pas s'il faut que je fasse ça. S'il fait ça et qu'il vient là, j'aurai ça. S'il fait ça et qu'il vient là. S'il vient ici, je viens là. S'il pousse là, je viens là. Ouais, il vaut mieux garder ce coup pour plus tard. Parce que là, si je fais ça et qu'il vient ici, maintenant, plus tard, ça va être embêtant. Parce que quand je connecte ici, il peut venir là. Alors que là, s'il vient ici tout de suite, je viens là. S'il vient là, tac, et ça le fait chier. Donc autant ne pas toucher. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fait ça ou ça, comme on disait tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut au moins une fois faire ça. Parce que, certes, je peux développer quelque chose d'intéressant sur ce bord sud, mais si je crève ici, ça sert pas à grand-chose. Donc, ouais, il faut aller par là, j'imagine. Mais est-ce que j'ai assez de points dans cette partie? Parce que Nord, il a beaucoup quand même. Faut estimer un peu les points. Ici, il y a quoi? Il y a 10 points. Ici, il y en a 10, 20. Ici, on a combien? 15. On est à 35. On est à un peu plus de 40 points sûrs. Et lui, il a combien? Il a une quinzaine ici, on va dire. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 45 ici. Oh, il est en avance. Il est en avance et il y en a peut-être un peu ici. Il est en avance, mon adversaire. Donc, on aimerait bien faire ça. Merci pour le follow, HVK224. On aimerait bien faire ça pour avoir du potentiel en bas, mais en même temps il peut glisser ici. Ouais, non. Groupe faible d'abord. Groupe faible d'abord. Et après on verra. Là, bon, Toby. J'imagine, moi je fais ça. Il vient ici. Et ensuite on peut peut-être pousser dans cette direction. On a gagné un peu d'espace ici. Si on chope ce coup, ça peut être intéressant. S'il avance, tac, tac. S'il pousse, on va là. S'il fait là, Atari, tac. Atari, tac, tac, tac. Bon, ça dépend comment ça se passe. C'est un peu compliqué.
S'il avance, on va là. S'il pousse, on va là. S'il coupe, Atari, tac, tac, tac. On est obligé de faire Atari comme ça. Il vient là. Atari, il vient là. Ah, c'est bon. Ça passe, je crois. Ça passe, le chichou. Est-ce qu'il a pas répondu? Ouais. Si je dis pas de bêtises. Chichou qui passe comme ça. C'est bizarre. C'est vrai, là, c'est Kema sur Kema. C'est un peu bizarre aussi. Mes formes sont un peu particulières, en fait. Je me demande si j'ai pas été trop long avec ce coup, puis ce coup. En fait, j'ai donné peut-être deux coups à l'adversaire à l'extérieur. Notamment son O11. Si je l'avais joué, ça aurait été bien différent, peut-être. Bon, peut-être dû prendre le timing de jouer ce O11 un moment. Avant qu'il puisse. Je crois que j'ai joué ça. Ah, il fallait laisser peut-être la tarie, tant pis, moi elle est là. J'avais un mur en face, c'est pas grave, tant pis. On kick. Je viens là. Et je viens ici. Descends, je descends. Il descend. Je viens là. Il coupe. Je viens là. Ou alors il fait un nid, je coupe. Mais il y a des points de coupe un peu partout. C'est compliqué. Ou alors tac, tac. Et je fais plutôt Kema. Ou le Nobi. Si je fais ça qui vient là, je fais Nobi. S'il saute en Tobi, je peux peut-être aller là. Atari. Tac. Et s'il protège de ce côté, je peux couper. Même s'il fait Atari, tac. Un peu risqué peut-être. C'est peut-être un poil risqué, il manque un coup par ici. Hein. Il manque ça quoi, clairement. Mais ça, ça aurait été tentation. Blanc, noir, blanc, si noir saute, blanc, noir connecté, blanc. En même temps, si noir abuse comme ça, puis fait ça, puis coupe. On va là plutôt. Bon déjà celui-là je pense qu'on peut. Après, le choix c'est si ça marche pas ce que je lis, peut-être aller plutôt en G4. Ouais, c'est clairement de la chasse là. Hein. Chasser la baguette, le gros dragon. S'il fait année et que je coupe, peut aussi juste descendre peut-être ou aller par là. Je connecte et quand il vient ici, on connecte, mais il vient là, on coupe, mais il vient ici. C'est compliqué, sûrement trop gourmand tout ce que j'entreprends ici. Peut-être juste ça. S'en va pas comme ça, hein. Sinon je bloque là, tac, c'est chiant pour lui. Il s'en va plutôt si je fais ça comme ça. Pousse une fois, il va là. Et on va comme ça. S'il saute encore. Ouais. Il va pouvoir connecter ou non. Ou alors on pousse de ce côté, mais. Par là, je sais pas. Il me reste combien de temps? Il me reste du temps pour réfléchir à tout ça au pire. Est-ce que c'est important?
J'ai l'impression que ça a l'air important quand même de jouer un coupable. Là c'est le même problème. Noir, blanc. Noir, blanc. Noir Atari, tac, et il sort là. Je suis coupé, tout simplement. Donc ici on peut pas trop faire l'idiot en fait, de ce côté. De toute façon, à n'importe quel moment, noir, blanc, noir. Blanc fait ça et noir peut faire Atari de l'autre côté. Donc ici je me demande si bon, ça a l'air proscrit, ça a l'air proscrit, ça. Ouais, ça a l'air chaud. Ça peut-être. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Là je peux revenir. Ça c'est ok. Mais est-ce que c'est utile? Il s'appuie ici, tu viens là, il s'appuie ici, vaut mieux connecter. Il y a Atari, puis là, coupe, il vient ici. Mais là, peut-être qu'on peut le capturer parce qu'on est fort quand même. Tac, 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 tac. La forme n'est pas incroyable ici en fait, pour peut-être du plus de zombies. Tac. Toby. Tac, tac, tac. Mais il peut pas Toby en fait, parce que sinon je fais ça. Il y a deux points de coupe. Je sais pas. En même temps, si je coupe. Atari, Atari, il vient là. Je peux pas couper sinon il capture, je crois. C'est dommage de ne pas avoir Pierre là, parce que là, ce qu'on fait pour le bord sud, on n'est même pas sûr que ce soit concrétisé. Ah, c'est dur ce jeu. C'est tentant, ce truc-là. Ah, il faut que ça serve à construire des points. Faut que j'arrête d'essayer de le tuer, lui. La descente en E2 sera grosse un jour. Si on peut faire une trentaine de points sur le bord sud, ça peut être incroyable. Il faut pas mourir au centre, quoi. Bien comme ça. Ok. Donc là, soit ça, soit pousser. Tac, s'il saute, on peut venir là. S'il vient ici, on peut venir là. Atari. Tac. Atari. Tac. On peut continuer s'il veut une fois. Et ensuite, tac, tac, tac. Et on est obligé de reculer. De reculer, de reculer. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça et quand il saute, de venir là. Tac, s'il vient là. Voir les commis. Tout de suite. Je fais pas Atari de ce côté, hein, donc il fait de ce côté, je viens là. S'il connecte là, on vient ici. Tac. Ça fait Atari et après on peut revenir là, mais. Tac, tac, tac. Ici, connecte de ce côté.
on est sûr de sur le centre, ça peut être sympa. De toute façon, je pense qu'il va faire Nobby, hein, mais... Tac. Continue. On vient là. Il nous attaque durement ici. En fait, c'est, on n'est pas sûr de vivre à 100% encore. Si je viens là, on peut rien faire sur le bord sud. Ça a l'air compliqué hein, de pouvoir faire des... la vie et le sud en même temps, parce qu'il faudra que je... Il pourra rajouter un coup. Et ensuite, il faudra descendre là pour faire les points. Et il peut rajouter un autre coup qui nous tuerait, sûrement. Chiant. Ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Tac, tac. On vient par là. Continue. On peut faire Toby. Il va là, tac, Atari, tac, connect ici. On peut faire Atari. Tu descends. Sachant qu'il peut avoir un œil ici, normalement, à tout moment. De quelle manière le pousser pour construire un peu là, mais en même temps, peut-être faire des points, c'est... Pff, c'est compliqué. En fait, j'ai pas eu de gain, j'ai l'impression. C'est ça le problème. Et du coup, il a plus de points en cash que moi, j'ai l'impression. Après, souvent, je me vois en retard alors que ça va, mais là, ça a l'air chaud, non ? Bon, il faut que je réagisse de ce côté, j'imagine, hein, des coups-là. Si on fait ça, qui vient au milieu, ça a l'air compliqué, donc cette forme, elle est à prohiber. Si on vient là, ça n'a pas l'air assez actif. Mais c'est la forme ici, là, qui me interroge. Mais bon, pourquoi pas. Et ouais, je sais pas. C'est vraiment, j'aurais dû venir plus tôt. J'imagine, question de timing. Ah, le Magari, il fait mal, quoi. Merci pour le follow, Shudan OGS. Tac. Il monte comme ça. Non, il fait voir et commis. Tac, tac, tac. Je connecte. Sûrement Nobby. Si ça, tu déchires. Ouais, Nobby. On construit au maximum nos formes. Aussi bien, lui, de ce côté, il est en mode merde, 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 il me chasse, voilà. Et moi, je suis en mode merde, merde, je veux pas avoir assez, c'est pas possible et tout. Après, normalement, il vit sans problème. On va recompter rapidement. On disait 45 pour noir à droite. C'est beaucoup. Je dirais qu'il a 60 au minimum.
Il va me manquer des points. Hein. Pour l'instant, je me vois en retard. En cash pur. Parce que, en fait, ici, il a trop rapidement fait des points. C'est ça mon problème. Tac. Tac, tac, tac. Je vais faire Atari, je vais là. Il monte, on saute. Non, non, non. Ouais, c'est le problème de ça, et c'est comme à l'autre partie, je lui ai donné un boyau rapidement aussi, enfin, je lui ai donné. J'ai laissé faire un boyau rapidement aussi, et c'est problématique. Ok, il joue comme ça. Je pense que c'est peut-être le moment où je laisse un peu ça, et... Et... on essaie de jouer ailleurs. Essayer ça. Oui, mais maintenant, avec ça, ça marche plus trop, ça, et coupe. Déjà ça c'est pas gratuit. Si je vais là. Tac, tac, tac. Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit d'aller par là? C'est peut-être un peu trop. Ce qui m'enferme en gros et en fait cette pierre elle fait pas grand-chose. Donc peut-être ça. Qui menace d'aller là et de séparer tout ça. S'il vient là, je vais là. S'il vient là, viens ici. Du coup, peut-être aller là tout de suite. Tac. S'il vient là, je vais ici. S'il vient là, on peut déjà couper. Et s'il protège, ouais, mais il peut protéger quasiment CNT, c'est ça le problème. Tac, tac, tac. Il fait Atari de ce côté, on va là. S'il sépare, on a quand même Atari puis Atari, hein, donc c'est risqué. On va quand même aller de ce côté. Faire ça. Parce que ça réveille un peu, ça va le forcer à ce que le 16 soit centé un peu plus. On va venir là maintenant. Hein. On réduit. Là, il a envie de rajouter un coup. Ok, il reste un bon yossé encore. Est-ce qu'on prend le tout de suite? Tac, tac, tac. Si Fatari, je vais là. Il fait Atari, je vais là, et il fait Atari, je suis con. Et si je coupe tout de suite, bah c'est la même chose. Évidemment. Si je viens là, il peut aller là, ça apporte pas grand-chose. Donc il me reste ça. Bah non, il me reste ça. Bon. Autant le prendre, non? Tac. Il a pas envie que je vienne là et que je détruise tous ses points, sinon ça me fait vraiment rattraper. Donc je prends tout de suite, je pense. Ouais, mais c'est pas le moment, ça sert à rien. Il y a des menaces de coup, peut-être. C'est peut-être mieux de garder ça pour plus tard. C'est mieux de garder ça pour plus tard. En tout cas, on a réduit ici. Un petit peu, c'est bien. Tac, descends. Je viens là.
Et du coup, il peut aller là. C'est compliqué ce jeu. Faut attaquer tout ça, mais bon. Ouais, non, c'est peut-être une petite erreur. Quand je vais là, il faut que je monte maintenant. Ouais, parce que. Non, c'est une petite erreur ça. Fallait peut-être aller là tout de suite. Parce que là, le problème, c'est quand il descend. Ok, non. De toute façon, il s'en fout, il va être beaucoup plus agressif. Ok, donc son but, c'est quand je vais là, il va là, tac, tac. Et il dit, je fais des yeux par là, d'une manière ou d'une autre. Si je connecte pour renier le truc, enfin, pour dire non. Tac, tac, tac. Je vais là. Maintenant, il peut couper. Ok. Donc, je suis obligé d'aller. Tac. Mais il vient là quand même. Ou alors quand je vais là, il force là, je vais là, il force ici, voilà, il force là. Non, on ne peut pas. Donc je suis obligé de faire ça. C'est chiant quand même, tac, et il va là et c'est encore senté. Sinon il coupe. Donc je vais là. Il peut encore aller là, je vais là. Il vient ici, je vais là. Et il a un œil ici déjà. Et son deuxième, il peut récupérer soit en faisant ça, tac, tac. Tac. Je sais plus. Non, peut-être pas, ici. Et mais j'ai pas tout lu. Et l'autre. Si, ici, il peut faire tac, tac. Il force ici, je vais là, il force là. On va ici, il capture cette pierre, on revient. Mais dans ce cas, quand il vient là, Yatari, il peut faire peut-être un œil là. Et sinon, ici, il descend. Je voulais aller là. Et dans ce cas-là, il peut faire ça. Je vais là. Ça. On protège. Et il revient là. Il en est. Donc il est vivant. Il est vivant. Après, quand il donne ça, ça c'est gros, mais peut-être qu'il prendra celui-là du coup. Dommage. Pour hésiter, il faudrait faire ça. Mais il vient ici. Je protège. Il me déchire complètement. Enfin, tac. Il vient là d'abord. Il vient là. Il monte. Je peux pas vraiment protéger. Tac. Il va là, je vais là. Certes, il atterrit sur les trois pierres, mais lui il prend ça et c'est immense. Ah là 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 là. À moins qu'on protège comme ça. Mais il prend cette pierre. On vient là. Il recule. En fait, c'est un peu dangereux. Tac, tac. Pour dire que ça, c'est un faux œil. Mais une fois qu'il capture, il complète ici. Ça, c'est un faux œil et ça peut menacer de faire un là. Ça vaut pas vraiment le coup. Mais il est vivant. Et ça, c'est problématique. Est-ce qu'on peut pas aller là? Capture. C'est quand même un œil. Tac. Non, c'est moche. Si on fait ça, c'est pour dire je peux faire Atari, tac, tac, mais en fait, quand je vais là, il peut aller là, je dois aller là, il déchire. Donc je vais là et il peut continuer. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de continuer tout de suite. Il a un œil. Et il peut dire, regarde ici, j'en ai un deuxième. S'il joue ça, je joue là. Il capture la pierre. Non, je vais là. Ok. Il faut qu'il fasse son deuxième ici. C'est le plus simple, je pense. On va mettre une autre musique.
Là, non. S'il capture, je recule ici. Il a double Atari là. Donc là, c'est un faux œil. Je recule ici. Une fois qu'il a fait le double Atari. S'il capture. On peut venir là. Il peut aller là. Non, c'est trop chaotique de faire ça. Bon, on va là et il va faire son œil beauté. Mais nous, ça nous donne belle forme ici. On peut appuyer. Faire quelques points de plus. Il pourra résister en retirant sa liberté. Non, ça fait rien. Ça fait plus rien maintenant, je m'en fiche de sa liberté. Je pense que c'était plus simple pour lui de faire son œil là. Ah, j'arrive pas de cliquer sur le diamant. Bon, ça c'est pas bien grave. Ça c'est peut-être un poil gourmand. Bon, on vient là. Et s'il fait ça. Pousse d'abord comme ça, ok. S'il fait ça, qu'on vient là. Il nous coupe. Oh, il est vivant. Il est vivant. S'il vient là. On doit protéger d'une manière ou d'une autre, mais c'est compliqué. Tac. Il vient là. On vient ici. S'il vient ici. On vient là. Capture, c'est trop risqué. Quand il vient ici, en fait, il faut connecter. Enfin, je veux dire, on vient là, il vient ici, il faut connecter, sinon c'est un peu risqué. Ensuite, il faut couper. Et nous, est-ce qu'on est vraiment vivant ici? Bon, on fait ça, il connecte, et ensuite on va comme ça, il va là, on saute. S'il va ici, on va là, s'il va là, on doit aller là, il pousse encore, on va là, il peut sauter, on va là, il peut connecter, c'est douloureux, on n'a aucun point ici en fait. Ah là 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 là, donc ici on n'a aucun point. Ça nous donne combien de points dans la partie? Il n'y a aucun point ici pour nous si on fait comme ça. Mais en même temps, tac, il peut aller par là. Donc on aurait les points qu'on se ferait ici. À savoir... ouais, une petite vingtaine. 30. Si on va avoir 5, un peu plus. Sauf si on arrive à placer ça. Mais... 35, un peu plus de 40 avec le commis, et ici on est à 50, 55 quoi. C'est pas assez. J'ai l'impression quand même. Bon ici là quoi, il a 2-3 points. Bon il arrive à 15 avec ça. Je sais pas, c'est dur à dire. Je pense vraiment que ça c'est gros. J'ai le droit de faire ça? Tac. S'il fait ça, tac. Et qu'il prend. Bon, c'est pas très beau, mais d'abord je vais protéger ma forme comme ça. Protéger ma forme en angle vide. Il connecte. Ah, je pense, hein. Non, c'est un peu tricky. Je viens là, bon il a encore la possibilité ici en fait, je l'ai dit, il peut peut-être prendre la pierre. Ouais, il peut peut-être faire Atari comme ça. Ouais, il a peut-être le timing. C'est pour viser un truc bizarre ici. S'il empêche Atari, tac, on vient là. S'il pousse pas là, on est content.
Mais s'il pousse, tac. Il doit reculer, et nous on peut revenir comme ça. Coup de sonde un peu, non? On tape dans la forme. J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Bon, qu'est-ce que ça donne, Romain, là? Hop. Monarque. Ah, il a perdu, mince. Ah, bon. Il a perdu 12 ennemis, mais c'était quasiment la fin de partie. Ok, je conçois, je conçois. Je vais descendre, non? Tac, il descend, je viens là. Tac, il fait ça. Je reviens ici. Il connecte. Je viens là. Il vient ici. Je viens là. Ici. Et si je viens là tout de suite? Capture. Non. Parce qu'il faut descendre. Plus prudent quand même. Ça marche pas du tout mon truc. Je pensais qu'il y avait un petit peu. S'il peut descendre là, c'est dramatique pour moi, effectivement. À voir. À voir ce que ça va donner. Ouf, ouf. Mais sur bon onglet. Ah, je sais pas là, sur le coup. Qu'est-ce que ça donne la taille? Tac, tac, tac. On peut venir ici. Certes. Je vais là. Et ils se disent, je peux faire ça. Comme ça, moi, je vais là. Il peut prendre comme ça. Tac. Sauf que je peux d'abord venir là. Il peut pas venir là. Parce que maintenant, je coupe. Est-ce que je peux faire ça d'abord? Tac, il vient là.
Ensuite, on fait ça. Il faut imaginer une pierre noire là. Donc, tac, tac. On vient ici. Il vient là. On vient là. On s'y pousse comme ça. Tac, tac. Et on atterrit donc qui repart. Ouais, mais on peut plus enclencher la séquence. Donc, non, ça, ça serait une erreur. Il faut venir là tout de suite. Il vient là. On vient ici. Il sacrifie les pierres, j'imagine. Ou alors, on vient là. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Attends. Tac. Tac. Noir. Blanc. Oui, mais noir, tout simplement, je suis bête. Et ensuite, on viendrait là. Si ça connecte, on fait ça. Il doit capturer, on vient là, il doit connecter, et ensuite on peut aller là. Tac. Viens là. On va là. Viens là. On va là. Tu prends un Atari, certes. Mais. Ten seconds. One, oh là là, ça two, va être chaud. Three, tac, four, tac, five, tac, tac, tac. 6, 7, 8, 9. S'il connecte. J'ai l'impression que c'est sympa ça. Alors je me trompe peut-être complètement. Hein. C'est fort probable. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. S'il connecte comme ça, on peut couper. Il doit capturer, on fait ça et on prend ça. Si il connecte ici, on fait ça, tac. Bon, voilà, c'est ces deux pierres, vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Si il bloque, on fait atterrir ici et on prend encore plus. Faut réfléchir à noir, blanc, noir, blanc. Noir protège. Blanc protège de ce côté. On a que trois libertés ici. Noir revient là. On fuit. Ouais, ça marche pas très bien en fait mon truc. Ça marche pas très bien. Noir peut aller là, mais il faut couper tout de suite alors. Ouais, il faut couper tout de suite. Et noir peut venir ici aussi, peut-être. On vient là. Et là. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai plus que 30 secondes par coup, enfin 3 fois 30 secondes par coup, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, c'est cool qu'il fasse pas M18. Si je viens là tout de suite. Si je sacrifie les deux pierres, déjà je suis content. Si
Il vient là, je viens là. S'il vient là, je viens là. 10 seconds. S'il vient là, je viens là, je suis... 2, 3, c'est chaud pour 4. Le... Je pense qu'on coupe. Hein. Tac, 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 tac. On peut pas faire ça, mais s'il pousse ici et qu'il repousse là, tac, on a encore 3 libertés. Bon, il sacrifie les 2 pierres. Typiquement le moment où je dois pas jouer en 3 secondes, mais profiter de mes 30 secondes au max. Parce que en jouant ça, ça semblait pas très fort. Peut-être que j'avais mieux. Genre J16, ça donnait quoi? Connecté. Par exemple, je coupe. Atari, tac. Ah, et J16, ça avait l'air bien. Ouais, j'ai raté un truc là, J16 était bon. J'ai joué trop vite. Oh. Et si je viens là maintenant? Donc stop, on vient ici. 10 seconds. 1, 2, non, il faut que j'aille là. 4, 5, 6, 7. Bon, s'il me donne ses pierres, je suis content. Tac, s'il vient là, je viens là. S'il bouge là, je viens là. Ouais, oh, c'était bien ces 2 pierres en vrai. Quoi? Qu'est-ce que... J'ai loupé quelque chose? Ah, oh, j'ai loupé quelque chose. Ah, oh, merde. Ah non. Ah, c'est con. C'est moi qui ai mal lu. Je donne tout. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Oh là là, 9, c'est le début de la fin là. Ah, c'est foutu. J'ai trop donné ici, plus qu'il ne devait avoir. Merde! Mal lu. Ah, j'étais persuadé de moi. J'étais sûr de moi, je veux dire. Ça veut rien dire ce que je dis. On va aller là, hein, parce que ça c'est goûté. Ah, fait chier. Fait chier, fait chier. Oh, il peut m'attaquer sur ça aussi. Je pense que j'ai perdu celle-là. Hein. Donnez beaucoup ici de points. Pas beaucoup. Aïe, aïe, aïe. C'est la défaite. Si je fais ça, il vient ici. Si je viens là. Ah, j'avais des petits trucs peut-être pour faire le clamp. Bon, tant pis. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça semble gros hein, de descendre par là. Tac. On fait quelques petits points ici quand même.
Ouais, j'aurais pu faire ça d'abord. Ah, je suis pas content de ma partie. Hein. Et en fait, je savais pas. J'ai loupé le timing de réduire. Enfin, de rentrer ici. Et après, j'ai pas su attaquer ça. Je me suis trop focus sur ça. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Si je viens là, il prend ça, je peux aller là. Est-ce que c'est pas gourmand de sa part? Si je viens ici, il veut faire cet atari, je viens là. Il est obligé de connecter, hein, parce que s'il vient là, 10 seconds. tac, 1, 2, il vient là, mais je coupe. 3, 4, Il recule. 5, 6, Je sais pas. 7, 8, Non, bah non, il 9. recule. Il faut encore que je coupe. Et il peut venir là. Et il prend ses deux pierres. Tac. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas l'impression que ça marche. J'ai pas le temps, de toute façon, là, j'allais perdre par le temps. Mais blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Pression close, ça marche pas. Il pourrait faire ça. Je viens là. Il connecte. On vient ici, on n'est même pas senté. Ouais, c'est chiant. 10 seconds. 1, 2, 3, 4. C'est pas forcément incroyable comme coup en fait, parce que ça abîme peut-être ma position ici. Ah, je craque un peu, hein. Un coup par ici, on aurait aimé aussi. Ouais, un coup par ici, on aurait aimé. Il regarde s'il peut pas faire l'atari d'abord. De toute façon, il pourrait le faire un jour ou l'autre, donc j'y répondrai. Ensuite, il connecte. Ensuite, je viens là. On laisse cette pierre pour plus tard, j'imagine. Tac, il protège. On prétend faire quelques points ici, quand même. Ah là là, quel dommage cette séquence. Je pense que je pouvais couper direct avant de faire tout ça. Je me suis retiré les libertés moi-même de descendre, en fait. Je lui ai proposé le L18. Et ouais, ça lui donne pas de position. Alors que si je coupais direct, il y avait peut-être des choses. J'ai été gourmand. Ah, j'ai été gourmand. Alors noir. Compte bien 60 points. Et nous? C'est serré, hein. C'est plus serré que je pensais. Il faut que j'obtienne ce N8 par contre. Mais en même temps, si je vais l'obtenir, parce que sinon il se fait couper ici. Et il perd tout ça. Donc je vais l'obtenir. C'est certain. Ah, c'est serré, c'est serré. Mais du coup, c'est serré, ça me fait encore plus chier d'avoir donné là. Hein. Ça veut dire que j'étais un tout petit peu en avance. C9 aussi peut être gros. Ça ne fera pas de points, mais lui non plus, alors que lui il peut en faire s'il fait le C9. Parce que je connecte et il a quelques petits points ici. C'est chaud. Heureusement, on a bien réduit là et là. Ici, je suis persuadé que. En fait, je pouvais encore venir, avant de faire ce senté là, je pouvais encore venir en M18
Parce qu'il menaçait de capturer là, hein, donc il faisait un coup pour réagir. Mais s'il réagissait comme ça, bah, je pouvais quand même prendre. Donc il capturait. Et je pouvais venir là, parce qu'il menaçait d'aller en M16. Et peu importe comment il réagissait, je pense, je pouvais faire le clamp. S'il descendait, on coupait. Atari, tac, il était en Atari. On revient, il est en Atari. On peut, ouais, ça, ça aurait été possible. Et du coup, c'était plus gros pour nous. On pouvait rentrer peut-être sur ce bord droit et retirer plus de points. Je loupe des timings. Une séquence qui peut être sympathique, c'est de jouer C9, il va en B9, je joue, au lieu de prendre la pierre, je joue en B11, il va en B10 et je vais en B13. Ça peut faire quelques points ça, hein, parce que ça lui retire pas mal de yossé. Pas trop à quoi il réfléchit. Il doit se dire, il doit regarder toutes les séquences qu'il doit. Dans quel ordre ça doit se jouer et tout, il doit profiter pleinement de son temps pour ça, j'imagine. Vraiment calculer minutieusement jusqu'à la fin de partie. Ou alors il est parti se faire un café.
saurais pas dire. Moi, c'est marrant, genre, qu'il me rejoigne un petit peu en ton. Ok. Alors, si je viens ici, qui capture? On vient là. Non. C'était en mode, est-ce qu'il y a un co ou quelque chose? Tac. Capture, si je descends une capture, on vient là. Moi je veux protéger, hein. On va pas faire le con. Il va protéger, et voilà. Hein. Bah, s'il capturait, ouais, je pouvais lancer un coup, mais déjà il avait un œil ici, il pouvait en lancer, il pouvait aller là et faire un deuxième œil rapidement. Donc le coup servait pas à grand chose, je sacrifiais juste quelque chose. Donc c'est un peu bête. Bah, il connecte et. Oh, chère de séquence dont on a parlé. Qu'est-ce qu'on joue en premier? Les deux sont gotés en fait. Peut-être quand même jouer C9. Ok, il vient par là. Il veut tout jouer tant que ça c'est. Ouais. Si je viens là maintenant, qui prend la pierre? Attendez une minute. Si je viens là, il prend la pierre, je fais ça. 10 seconds. 1, 2, il vient ici, il peut venir là. 4, 5, non, non, c'est vivant. 6. Ok, d'accord, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il était mort là. Mais non, non, il est vivant. Non. Il met beaucoup de temps à réfléchir, il va pas faire de petites erreurs comme ça, je pense. Bon, maintenant il faut connecter. C'est urgent. Ça semble beau quand même. Ça fait quelques points. Pas facile, la partie plus l'écran, ça c'est pas facile par contre, niveau fatigue. Et il en reste une à 18h derrière. Et là, bah, si on la gagne, on va rencontrer un des joueurs en Dan, ça va être bien compliqué parce que c'est égalité. Et si on la perd, bon bah ça va être contre quelqu'un de nos niveaux encore. Tout simplement. Tout simplement. Il avance comme ça. Protège. On va venir comme ça. S'il nous fait Atari, on avance ici d'abord, nous. S'il capture, nous on avance aussi. Hein. À moins qu'on fasse ça. Mais il fait contre Atari. Capture. On peut faire Atari. Protège. Protéger. Si on reprend, il fait Atari. Ah, c'est chiant. On va venir là, menacer de rentrer nous aussi. Ah, je suis pas très fan de ça, parce que bon. Ouais. Bref. Il pouvait faire une séquence où il prenait ses deux pierres, je pense.
Tac, tac. Non, autant forcer que la capture d'une seule pierre. Il capture, j'avance, il bloque là, tac. Peut-être pas aussi cool que je croyais tout ça. Tac, ça menace d'avancer, tac. Et de faire Atari ou Atari, donc ça je peux la prendre. Je peux la prendre. On gagne ça, on perd ça, je sais vraiment pas quoi en penser. Mais en tout cas, ce que j'en pense, c'est qu'on est sainté alors que je pensais être goûté, ça c'est cool par contre. Je peux venir là, ça a l'air pas mal aussi. On a d'aller là et de sauver ces deux pierres, c'est quand même gros. Tac. Si on vient là, il vient ici. On vient là. Il recule. Ten seconds. One, two, three, four, five. Oh bon, on va faire ça. Mais ici, y a rien. Je peux avancer comme ça. De toute façon, là, c'est quasiment fini. Il y a cette capture qui sera grosse. Il y a ça, peut-être. Il y a ça. Encore quelques petits trucs, hein, mais j'ai beaucoup de goûté. Ouais, ça a l'air gros quand même, parce que ça enlève tout le les Yosei ici qu'il a, potentiellement. Donc c'est même gros de venir là directement, non? Je sais pas. Et en même temps, ça fait un œil ici, on est plus tranquille. Là, il vient là. Ouais. C'est normal. C'est plus gros. Non, il vient là. C'est normal. Pour ça, j'hésitais, je savais pas. Peut-être que c'était plus gros pour moi d'aller là, même s'il avait le B11. Ça connectait tout mon groupe. Ouais, c'était mieux sur moi. Ouais. Ok. Une 65 pour moi. Ah oui, il y a le commis 72. Ouais, c'est bizarre, je me suis compté beaucoup là. Je compte une dizaine d'avance là, il y a un problème. Il y a un problème, j'ai du mal à compter mes points. Tout à l'heure, j'étais beaucoup plus en retard. C'est bizarre. Bon, je vais quand même essayer de jouer normal, hein. Tac. Et là, on peut venir là. Mais c'est bizarre que je me compte autant de points. J'ai dû me tromper dans mes calculs. J'ai compté que je prenais cette pierre, et j'ai compté que je prenais cette pierre. Il y a ça aussi, hein. Voilà. Mais celle-ci est quand même importante à prendre. S'il vient là, on fait ça, tac, 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 et on finit dans des mauvaises formes en plus. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Peu importe. Hein. Je vais recompter mes points. Ok, viens là. J'ai pas trop le temps de recompter mes points. En fait, c'est à son bon vouloir un peu, mais là, il va rentrer aussi en BEMI. Bon, tant pis, on va jouer du mieux qu'on peut à la fin, ça sert plus à rien, mais. C'est bizarre hein, que je me sois compté autant, aussi bien.
10 seconds. J'ai dû 1, misread. 2, 3, 4, un miscount, 5, 6, 7, 8, 9. Il va aller là. Voilà. Il va aller là. Non, seulement qu'il peut aller, pas aller plus loin en fait. Sinon, je coupais. Il va là, je vais là. Il peut rien faire de spécial. Donc, ça, c'est plus gros. Non d'abord, ça. 10 seconds. 1. Je menace quand même ça. C'est très gros. J'ai perdu mon compte. Ten seconds. 1, 2, 3, 4. Non, je me compte 70. J'en ai 11 en fait, parce qu'on va prendre cette pierre. 1, 2, 3. Allez, ça rajoute quand même quelques points. 71, ok. Et lui ? Ten seconds. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Je compte 67, c'est chaud! Pourquoi il vient là? Je compte 67, je compte 4 points d'écart là. Cette capture, je l'ai pas compté par contre, c'est gros. Mamma mia. 10 seconds. Ça, c'est 1, gros. 2, mais qu'est-ce qu'il veut faire ici? Je sais pas trop. 4, 5. Je joue ça. Ça me semble bien. Ouais, ça sent bien parce que je n'avais pas compté ces deux points. Allez hop, des petits points, des petits points. Gardons nos petits points. Si je viens là, ça fait Atari, tac, Atari, il vient là. Et rien du tout, ok. Cette capture a l'air grosse, ça, ça a l'air bien aussi, ça menace ça. Salut, Suga Dintas. Cette grosse capture a l'air bien quand même. Il y a ça aussi, mais il peut juste avancer comme ça, toi, d'ailleurs. Ouais, cette capture est cool. Ça donne des points, des possibilités de points. Ça a l'air ok. Ça dépend le Yossé qu'il va avoir. Ça, je peux peut-être Tenuki. Bon, il n'y a plus de musique, désolé. Ouais, c'est gros d'aller là, je pense. S'il capture cette pierre, c'est goté en fait encore. 10 seconds. 1, 2. Donc, on va d'abord faire les points ici. Mes formes sont pas très belles. Ouais. C'est chaud. 10 seconds. Il vient ici, qu'est-ce que ça fait? Pas grand chose, c'est pas grave. Ok, on va faire un tarif ici. Voilà. Bon, protège, oui, ici, ok. Ok. Après, voilà, c'est un point pour un point, je me dis. Ok, là, j'ai le droit de faire ça. S'il vient ici, je capture. Plus tard, hein, je veux dire, quand il y aura protégé. Tac, tac. Il reviendra là, je viendrai là. Mais pas beaucoup de possibilités pour lui. Donc je peux faire ça déjà. Et ici, ouais, tac, tac. Il vient là, je viens là. Et quand il tente un truc, en fait, on le capture rapidement. Ok. Ici, il a laissé cette pierre qui peut être capturée. On va protéger celle-là, je pense. Il vient là, on vient là. Un peu réflexe, hein, ça servait peut-être pas à grand-chose. Mais bon, nos groupes sont connectés.
Ça, il peut pousser là. Tac. C'est bon. Pas grand chose. Ten seconds. One, two. Ok, on prend ça. On protège. Il vient là. On protège. Il vient comme ça, oui. C'est un peu dommage parce que ici il fait 2 points. Sente certes, mais il aurait pu en faire 3. Après il a le Sente, il en retire un là. Ouais, peut-être que c'est kiff-kiff. Je l'ai déjà l'air. C'est peut-être kiff-kiff. Je pense que je maintiens mes quelques points. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça c'est goté. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Cela dit, est-ce que j'ai des SNT? Pas vraiment. Quand il viendra là, un jour il pourra mettre en atterri, je devrais rajouter. Donc autant faire ça qu'il menace d'aller là. De toute manière, un jour ici, il pouvait me mettre en atterri cette pierre, donc c'est pas grave. Mais ça me garantit un point en santé. Ah, il y a rien ici. Il y a ça. Hein. Tac, ça menace d'avancer. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, il reste que des gotés. Hein. Pour nous deux, j'ai l'impression. Ça, c'est un demi-point. Donc là, on va jouer tous nos côtés. Et ensuite, selon qui finit en dernier, Yako ou je vous protège. Protège, ok. Atari, ça, c'est pas un go, ça fait un point. Je protège. Enfin, ça fait 2 points, la capture plus le truc pris. Alors ça, je suis pas très fan. Parce que maintenant, quand il va là, bah, de toute façon, il y aura Atari. Bon, je peux peut-être faire Atari là d'abord. De toute façon, c'est une pierre capturée ici ou une pierre capturée là. Après, quand il protège ici, ça fait un point. Ici, bah, pareil. 10 seconds. One. Bon, allez. Mais une de ces deux situations, c'est cool pour moi. Bien. C'est chaud, je vais ouvrir après. Ça lui retire le point qu'il y avait là et. Ouais, et là c'est juste un co, c'est pas grave. Il reste plus grand chose. Fermé. Ici c'est deux damés. Fermé, fermé. 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 Est-ce qu'il y a un truc quand j'y vais ici? Non, je vais là. Quand il va là, je vais là. 10 seconds. Il y a rien du tout. Ok. Donc je peux en protéger un et le deuxième c'est un coup. Donc potentiellement je peux protéger les deux. Atari. Allez, chaque point doit être acquis. Ok. Oh, il y a du monde à regarder. On doit être dans les derniers, j'imagine. Comme d'hab, hein. Je mets toujours 30 ans pour mes parties. Il y a eu pas mal de résultats. Bref, c'est pas le moment de regarder ça, moi. On s'en bon, il reste quelques menaces. Même là. Est-ce qu'il en reste une? Ça, je pense. Non. Là, il vient ici. Est-ce que c'est vraiment une menace? S'il vient ici ensuite, on vient là.
Il va là et je peux plus bouger. Oui, bon, c'est une menace. Ok. Je veux 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Je parie que c'est encore en répondre. Salut, go, Dédé. Bon, je vais pas le gagner, ce coup, hein, je pense. J'écris mal en plus. Protège ici. Bon, de toute façon, il y a une autre menace derrière, peu importe. Et ici, il capture. Viens. Peut-être qu'il va ici. Ce qui menace. Bon, ça revient au même. Ça revient au même. C'est pas le même ordre, c'est tout. Ten seconds. One, two, mais ouais, si on three, joue comme ça, après, four, si on affronte un Jordan, c'est game over. Hein. On va venir là, non? Si on capture, le problème, c'est que Noir peut venir ici. Et quand on fait Atari, peut venir là, et c'est bon, on peut encore faire, ouais. De toute façon, si on capture maintenant, ten il a des seconds, menaces. Si on vient one, là, il a des menaces, donc two, autant faire ça. Three, four, 5, 6, 7, 8, 9. On va jouer, je sais pas. On va perdre ce coup, allez hop. C'est pas grave. Noir. Bon, je vais me gagner du temps. Quand je serai à 3 secondes, je vais jouer ça. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Ou noir. Blanc. Noir. On capture. Ça va. Ten ok, seconds. Y'a rien ici. 1, 2, 3, y'a rien ici. 4. Mais... je peux quand même jouer ça. Parce que là, si je réponds pas, il joue ça. Et là, oui, il y a quelque chose. Donc il vient là. Je viens là. Il protège. Ouais, il y a encore deux menaces ici. Oh là là. Ouais, moi, je le gagne pas ce coup. J'ai plus de menaces. J'ai plus de menace. Allez hop, damé. Parce que si maintenant s'il joue là, je joue là. Mais en fait, la prochaine menace, c'est il jouera là. Et si je réponds pas que je comble le co, il joue ici. Et je pourrai plus jamais mettre un Atari, c'est qui. Donc on va éviter. Tant pis. On joue les damés. Allez, vas-y, prends-le. C'est bon. Là, il faut extrêmement faire gaffe quand je joue les... quand je joue mes damés. Ne pas se mettre en auto-tari, se retirer le soi-même une liberté, tout ça. C'est fini? Non, ok. C'est fini? Usant. Je pense que c'est le mot. Hein. Bon, je me compte vraiment très... bah, c'est le IOC, j'ai compté équivalent, donc je me compte très légèrement devant. Ouais, plus que légèrement un commis, ouais, un peu plus qu'un commis. Heureusement, on a bien réduit ce truc. Hein. Ok. 8,5, c'est cool. Merci pour le big party. Première moitié du Chuban.
Ouais. La première moitié de Choban, bah là il y a la courbe si vous, si vous allez voir la partie là. Je suis en retard en fait. À partir de. Bon, je vais regarder ça tranquille. Après, on va regarder ça un petit peu. Et ouais, 8,5. Allez, 2 sur 2. C'était chaud. Je vais regarder les commentaires vite fait. Alors, au coup 79. Alors, je vais noter ici. 79, 80, ils disent des trucs. 104. Et voilà. Hop. Pouf, pouf. Alors. Ils disent que. Bon, déjà, ils disaient. Ouais, de Tenuki School à Q2, là, ils disent c'est chaud, quoi. De Tenuki. Ça. Normalement, en noir, il faut qu'il. Faut qu'il vienne. Mince, pardon. Normalement, en noir, il doit venir là, hein, tous les jours, en fait. C'est gros. Très gros ce qu'on disait dans la partie. Là, ils disent la même. Il me dit de mettre le résultat d'abord dans le Discord. Oui, si on est dans les derniers, oui. On était top combien? Table 2. Oh, laisse tomber, prochaine partie, j'affronte le 4 Dan à égalité. Adieu les gars. C'est foutu. Table 2. Du petit blanc gagne. Voilà. Tac. Jusque-là, je suis bien, et là, je commence à faire de la merde. Ça, c'était mauvais alors, du coup. C'est le timing pour réduire, j'imagine. Hop. Ici, ouais, je prends du retard, en fait. Je donne trop. C'est en fait toute cette séquence, jusqu'à ici, il est en avance. En fait, c'est toute la séquence du milieu. Je vais complètement foirer. C'est bizarre d'investir sur ce bord, peut-être. Je dois peut-être faire ça. J'ai pas du tout pensé dans la partie. Un truc, genre comme ça. Prendre de la force sur l'extérieur, c'est la balance des. J'ai déjà du territoire, du cash. Prends de la force sur l'extérieur, et ensuite je joue un coup, je sais pas moi, un coup par là. Pourquoi pas? Ça a l'air d'être plus ok. En tout cas, leurs commentaires, je disais, vers le coup 79, ils disent. Bon, on va y aller un peu plus rapidement. Oh, le misclick en C8. Heureusement, ça va, hein, mais. Alors, ici. Ah, bon, ça ne me remet pas les commentaires. Super. Du coup, je peux pas voir ce qu'il disait. Ah, c'est chiant, ça. Bon, je vais quitter et rouvrir la partie. C'est le plus simple. Hop. Pouf, pouf. Charger en peu importe ici hop okay. Non t'inquiète je vais aller chercher merci t'inquiète hein. Gentil alors c'était au coup 79 qui disait un truc on disait vous avez la partie ouais. Hop donc au coup 79 il disait je n'ai jamais vu noir Tenuki 2 ok ça peut arriver si le bord est vraiment pas intéressant
Et là, c'est douteux, ils disent. Ok, ouais. Parce que j'avais un mur en face. Et ensuite, coup 104. Ça dit, je trouve que capturer la pierre en haut 13 aurait été plus gros que S15 car blanc perd le CNT. Je sais pas. Je sais pas. On va dire.